Bonsoir à vous, c'est Meiko Taru. Nous continuons donc Nier Automata. Nous sommes toujours dans le parc. Alors, oui, j'étais en train de taper, mais je n'ai pas encore bougé des masses. Je me suis juste avancé pour commencer à faire un peu le ménage. Allez. Donc, rappel de ce que l'on cherche. On cherche actuellement les tampons. Les petits tampons qui vont bien. Donc on en avait trouvé un, sur le manège au centre la dernière fois. Et on s'était arrêté là. Donc on va continuer à chercher les tampons. On a le village de Pascal à aller voir. Pour enquêter un petit peu sur ce qui se passe là-bas exactement. Puisque rappelez-vous, quand on était au village de Pascal, y a des Goliaths qui sont apparus et ça paraissait bizarre. Alors, est-ce qu'on va se retaper le char ou est-ce qu'on va pouvoir chercher le tampon en paix? Non, on va pouvoir trouver le tampon en paix. Où est-ce qu'il est? Alors, le tampon, soit on récupère, par terre, soit on parle à quelqu'un qui est tout gentil, sauf qu'il n'y en a pas dans la zone, à part lui, mais lui, il n'est pas dans la zone. Ferraille disparu. Il devait parler à mon avis de la ferraille du gros tank qu'on avait tué. Bon, maintenant, est-ce que je pourrais savoir où se trouve mon tampon? Tampon. Il est où? Là-bas, je le vois. Je crois que ça doit être ça. Allez, hop. Non, c'est une boucle abîmée, ce n'est pas un tampon. On va aller voir là-haut. Déjà on va prendre de la hauteur. Ah ouais non, je peux pas bouger la caméra donc ça sert à rien. Là bah il y a deux trucs. Il y a peut-être le tampon dans le tas. Voilà le tampon. Ouais, marquer la carte du tampon. Alors il y a notre magnifique moyen de transport qui arrive. On peut y aller. Et la musique qui s'emballe. Les montagnes russes vous ont été offertes par... Allez, viens là toi. Et raté. Il m'a touché. Je déteste ces putains de trucs qui tirent. Vas-y, tu me toucheras pas. Voilà. Ça reste la meilleure technique en fait. Voilà. Sans récupérer au passage. Youhou. En fait, c'est super les tirs parce que ça me permet de me protéger en même temps. Parce qu'étant donné qu'il tire devant moi ou... Enfin, en général, les trucs dès qu'ils se rapprochent de trop, ils sont shootés. Allez hop. Enfin, leur propre tir à eux. Ok. On était censé récupérer un tampon. On peut repartir pour un tour. Merci. On était censé récupérer un tampon sur la route, mais j'ai pas... Ah merde, on a plus la carte. Si, c'est bon, on a encore la carte. Où est-ce qu'on a le tampon? S'il vous plaît. Voir que je surveille sur la carte. Que si je me fais taper en même temps, bah ça va pas le faire. La. Voilà. Allez, le tampon, où est-ce qu'il est? Ça se trouve, c'est pas du tout comme ça qu'on peut l'avoir. Hein. Je vais descendre! J'étais là! Ouais, je vais y aller, je pense. Dès qu'on a fini de tuer ces trucs là, je vais y aller à papate. Parce que c'est... Je pense qu'il y a moyen d'y aller en passant par le grand pont qui était fermé, mais qu'on a ouvert en tuant la diva. C'était là. Ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment là où il y avait la diva.
Donc c'est bon. Donc on va descendre de ce truc de la mort là. Allez, je vais descendre. Je peux descendre. Je veux pas repartir pour un tour. Ah c'est bon, merci. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait repartir pour un tour. Donc on va descendre. Ici c'était juste pour le tampon de la zone. Hop, hop là. Ça c'est pas trop compliqué à faire demi-tour. Ah. Voilà. On s'en fout, hein. J'ai vu qu'il y avait un truc à ramasser, mais on va se dépêcher d'aller chercher tous les tampons, parce que je voudrais bien avancer sur la quête principale. Il nous manque, je crois, 4-5 tampons, un truc comme ça. Ça devrait pas être trop compliqué à récupérer. Bon, on va les ignorer. Alors déjà ici il y a un tampon à récupérer. C'est pas ça. On est heureux ensemble. Ok. Enfant mécanique. Mère mécanique. Ouais donc c'est clairement pas. C'est clairement pas eux qui vont nous donner le tampon. Lui il fait des trucs bizarres quand même. Machine hyperactif. Youpi les tampons, 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 tampons. Un tampon pour la une. Oh ouais, j'adore les tampons, allez on s'y met. Faites quand même des trucs très bizarres. Ensuite, je suppose que c'est monsieur qui va me donner mon tampon. Voilà. Mais c'est l'un des lieux que l'on peut voir sur les photos de la résistance. Je ferais bien d'enregistrer ses coordonnées. Voilà. Et ce monde est hilarant. Un tampon? Mais bien sûr, je te tamponne tout ce que tu veux. C'est quoi de ces allusions bizarres? On a encore quelque chose à aller faire là-bas. Je sais pas quoi, je sais pas si c'est un tampon ou si... Bonjour. Oh. La dernière fois que le rideau s'est ouvert, c'était sur un truc méchant. Cette fois, c'est sur quoi? Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Ah, Juliette, Juliette, pourquoi es-tu Juliette? Lequel d'entre vous est mon Roméo? Je n'en suis guère certain. Mon Dieu, mais c'est... Réduisons donc le champ des possibles. Lui, réduisons le champ des possibles. Ah non, c'est pas ça. Ah, Juliette, Juliette, s'il en est ainsi, laisse-moi t'ôter la vie. Crève, Roméo, espèce de vil salaud. Tu en viendras à fort regretter le jour où tu naquis. Par la racine, je te ferai manger les pissenlits. Meurs. Ok, bon. Trépasse. Oh, ah. Ah, pas très. Crève, meurs, trépasse. Tu vas crever dans notre souffrance. Sois jamais banni de ce monde perfide. C'est pour toi que sonne le glas. Ô pathétique créature, péris, petit étron. En fait, c'est un mélange entre Roméo et Juliette et un combat de gladiateurs. Merci. Mais Roméo ne sont plus. Jusqu'au dernier, je les ai oxy. Je dois les rejoindre sur le champ. Waouh. Je connaissais pas cette scène. Eh bien, j'imagine que nous avons assisté à la dernière représentation de notre pièce des Roméo et Juliette. Et des Juliettes. Attention, vous mettez les pieds en sortant. Approchez si vous souhaitez faire tamponner votre carte. Ouais, je vais tamponner, je vais tamponner. Ouais, je vais tamponner, je vais tamponner. Tamponne-moi ma carte. Oh, pardon. Mauvais bouton. Et voilà, c'est fait.
Ouais. Du coup... Mais c'est bon normalement. J'ai tamponné. Vous avez déjà le tampon de cette attraction. D'accord. D'accord, d'accord. Alors où est le dernier tampon? Je ne crois pas avoir jamais ressenti une telle émotion à mon retour. Je recommande la pièce à tous mes amis. C'était la dernière représentation. Vu que tous les acteurs sont morts, cette pièce ne rime à rien. Bon, si tu le dis. Du coup. Non, c'est pas ça que je voulais. Merci. Carte. J'ai cru que ça avait bugué. Heureusement. Heureusement que non. Collection des tampons. Donc ouais, il me reste un tampon à collectionner ici. Mais je ne sais pas où le récupérer. Pas ici. Est-ce que je peux aller là? Non. Alors je peux pas aller sur la scène. Donc ça ne marche pas. Si, je peux pas y aller non plus. Vous êtes sûr que je peux pas aller sur la scène? Il y avait deux tampons ici. Bon bah tant pis. Bon, cette quête reste en suspens. On va aller tranquillement faire la quête principale et puis tant pis. Donc, village de Pascal. Ah ouais, il nous reste un tampon aussi ici à récupérer. Non, c'est pas ce que je voulais. Merci. Alors, objet, juste. Tous les objets. Tac, 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 tac. Tampon, tampon. Là, tampon. J'en ai 8. Donc ouais, il m'en manque un, parce que là, c'est le... C'est le dernier endroit, à part là où on a abandonné l'idée de récupérer le tampon. Dégage, raclure. Nous autres, les machines, on est vivantes, pigé. Tu devrais crever. Vous devriez tous y passer, comme ce tampon de merde. Ok, merci. C'était très sympathique. Eh, monte, on monte. Et on va jusqu'au village de Pascal. Youhou! Attends, on l'aura fait ce chemin. Il y a un truc à ramasser. Putain, je passe toujours à côté ce truc. Alors, le point qui est là, c'est le savant fou. Donc on s'en fout, on le laisse tranquille. Voilà. Bonjour monsieur. On s'en fout de vous. Voilà. Ah, quoique, ça dépend, j'ai combien de sous? Combien est-ce que j'ai de sous? Gold, 34 900. Oh, ça peut être intéressant. Voir si on lui donne beaucoup, est-ce qu'il nous donne une grosse récompense. Bonjour monsieur, vos investissements s'élèvent à ce jour à 6000. Seriez-vous par hasard en mesure d'investir? Oui. Joie, euphorie, nanana. Alors, combien est-ce que vous voulez investir? Bah écoute, 10 000. Excellent, quelle belle preuve de sagesse. Notre future collaboration. 2 jours plus tard, qu'est-ce que t'as à me donner, connard? Eureka, j'ai réussi. Puissent vos yeux et vos sens se gorger de ma nouvelle invention. Puce résurrection. Et météorite. Hélas, cet incroyable et génial résurrection a mis mes finances bien à mal. Pas tout de suite. Bon. On reviendra plus tard. Là, j'ai quand même mis... Je t'ai quand même donné beaucoup. Mais tu as quand même donné un bon truc. Puce résurrection, à mon avis, ça va être un bon truc. Je viens de me mordre la langue, moi. Ça fait mal. Hop. Avant. Parce que la dernière fois, on n'avait pas eu le temps de le faire. Je voudrais bien aller voir... je sais plus c'est par où. Ouais, non, il faut obligatoirement monter. Je voudrais bien aller voir Jean-Paul. Je crois que c'est ça. Non, tu montes. Merci. Je crois que c'est ça son nom, c'est le... Rappelez-vous le... C'est lui, Jean-Paul, voilà. Par contre, je vois rien. Caméra! Caméra!
Voilà. Bonjour Jean-Paul, vous avez un moment? Tout moment est éphémère. Nul ne peut le posséder. Un moment passé est un moment envolé. Un symbole d'oisiveté, d'une empathie débridée qui... Vous ne pourriez pas tout simplement prendre ce cadeau, s'il vous plaît? Un présent? Voyons cela. Et voilà. Ah oui, fascinant. Celle qui vous offre ce cadeau vous décrit comme louche et charmant. Ce soi-disant présent n'est rien de plus qu'un morceau de verre très ordinaire. Je ne peux qu'en déduire. Vous voulez que l'on transmette un message de votre part à celle qui vous l'a envoyé? Pour une simple bagnole? Non. Voilà, voilà. On y va. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Non, j'allais le taper, non. On va éviter. On a une quête à rendre aussi en dessous. Attendez. Carte. On a une autre quête, effectivement. C'est bien ce que je me disais. On a une quête à rendre. Maintenant, il faut que j'arrive à descendre. Merci. Normalement, il y a un autre. Une autre échelle pour descendre encore plus bas. C'est pas ici. Ah, mais c'est ici. Voilà. Hop là. Il me semble que c'est... Lâche-moi ça, toi. Il me semble que c'est les deux oies ici. Voilà. C'est exactement ce qu'il nous faut. Mon compagnon va pouvoir se réparer. Je suis si heureux que de vous avoir fait confiance. Nous partirons dès que possible. Souhaitez-nous bonne chance. Voilà. Comme ça c'est une quête rendue. Y a un truc à ramasser là-haut. Un truc à ramasser là. Voilà. Un appât. Bon, c'est pour si je veux me relancer dans la pêche. Mais j'avais quand même réussi à pêcher un beau truc la dernière fois. Voilà. On monte. Première échelle, deuxième échelle. Et on va voir pour la quête principale. Pascal. Oh, 9S et Tubi, c'est ça? Ces machines ont semé une sacrée pagaille, pas vrai? Il faut qu'on parle. Bien sûr, je me ferai un plaisir de vous aider. Pourquoi le choix du pacifisme, s'il vous plaît? Comment vous avez fait pour vous écarter du chemin de l'agression? Pascal, pourquoi avoir renoncé à la violence? Nous vivons depuis des siècles. Nous avons perdu des amis à d'innombrables reprises. Et pourtant, ce n'est pas le spectre de la disparition qui me chagrine le plus. Non, ce qui me terrifie, c'est de m'être habitué à voir périr ceux qui me sont chers. Cela m'a fait comprendre que je n'en pouvais plus. Oui, Tubi? Et les autres machines, alors? Pascal? Oui, Tubi? À part les habitants de ce village, est-ce qu'il y a d'autres machines déconnectées du réseau? Détestable diva que vous avez vaincu au parc d'attractions ne devrait pas en faire partie. Grosse boîte à musique là. Ah, et bien sûr, il y a aussi le royaume sylvestre, mais... Royaume sylvestre? Oui, un vaste région boisée non loin d'ici. Une communauté de machines tente d'y fonder une sorte de nation. Mais ils n'aiment pas les étrangers, nous avons toutes les peines du monde à nous approcher de cet endroit. Ils sont où exactement? Au nord-est de la cité en ruine. Vous devriez pouvoir atteindre la forêt en passant par le centre commercial en ruine. Mais si vous comptez vous y rendre, soyez prudent. A mon avis, ce royaume sylvestre vaut la peine qu'on s'y intéresse de plus près. Excusez-moi, j'ai eu un bug, il y avait une erreur dans l'orthographe. Du coup, j'ai essayé de comprendre si c'était moi qui faisais une erreur ou pas. Du coup, je peux pas te poser... Ah si, voilà. Qu'en est-il des extraterrestres? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les extraterrestres? Les extraterrestres? Vous voulez parler de nos créateurs? Je suis désolé, je n'ai pas grande révélation à vous faire. Depuis des siècles, nous poursuivons la lutte sans avoir de leurs nouvelles. Le fait qu'ils ne nous donnent plus la moindre ordre contribue d'ailleurs sans doute à nos désaffections. Par contre, je sais pas ce que tu nous fais, Nines, mais tu nous fais vraiment des trucs bizarres. Il a sa propre vie. Je sais pas ce qu'il veut faire. Bon. Bon, donc,
On a un petit village à aller voir. Mais il s'est pas passé grand chose, mais on va quand même s'arrêter là. Donc la suite au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. Bisous.